belle aventure qui a duré 4-5 ans. Et puis, on a terminé en beauté avec Théo. Et je suis très content qu'on ait pu se faire ces deux pianos parce que c'était un petit peu. On ne savait pas si les deux pianos, c'est des œuvres au piano ou des œuvres de musique de chambre. Donc, on a décidé que c'était quand même de la musique de chambre, ce que c'est. Hein. Ouais, c'est sûr. Et on a pu terminer avec ces deux pianos et les albums à quatre mains qui étaient un beau travail. Mais on a passé plus de temps en enregistrement quand même qu'en concert, il me semble, c'est nous vrai. Deux. Parce qu'il y a eu un concert au Bout du Nord. On a joué l'autre pièce du disque, les variations sur un thème de Haydn, qui sont extraordinaires aussi. Et là, on est quand même content de pouvoir vraiment jouer la sonate, quoi. C'est remarquablement écrit. Et d'ailleurs, je pense que Brahms l'a d'abord pensé à deux pianos, même s'il n'était pas tout à fait convaincu. Mais c'est comme d'habitude avec Brahms, c'est extraordinairement lisible. La répartition entre les deux pianos est très naturelle. Et je pense que cette version à deux pianos, on en parlait tout à l'heure, apporte une très très belle clarté, une vraie lisibilité à cette pièce qui parfois peut subir des alourdissements. Et là, je trouve qu'en fait, à deux pianos, ça a de l'air, je dirais, presque.